Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va tester le nouveau jeu Téléforum. Donc c'est un jeu gratuit sur Steam et je serai pas tout seul, je vais le faire avec Muzzle. Mais après avoir enregistré, je me suis rendu compte qu'on ne l'entendait quasiment pas. Désolé, je ne vais pas pouvoir régler ce problème pour cette fois-ci, mais je vais essayer de trouver une solution pour les prochaines fois. Et sur ce, bonne vidéo. Du coup, en fait, je t'explique, c'est un jeu où en fait on regarde dans une télé une cassette d'un enquêteur en soi. Et en fait, l'enquêteur, il est allé chez une veuve pour enquêter. Ah, c'est une cassette vidéo. Ouais, Enfin, c'est... plutôt bah une oui, c'est cassette une télé, vidéo. tu vois pas? Bah ouais, mais je pensais que c'est juste pour décorer. Voilà, c'est le bon bâtiment. Et tu l'as allumé, cette caméra? Alors, laisse-moi enlever le cache de l'objectif et s'attendre maintenant. On choisit quoi? Attends. Bah dis, laisse-moi enlever le cache d'objectif. C'est à toi, ça. Voilà. C'est vrai, il vaut mieux le plus de rush possible. C'est au sixième étage. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton? Pas de souci. Non, mon vieux. On va au sixième étage. Appuie Bon. sur 6, gros. Non, mais je sais, mais je voulais voir si ça faisait autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as envie de dire quelque chose. Même pas, attends. Je ne pense pas que c'est malvenu de déranger une veuve. J'ai pensé juste à tout ce qui s'est passé. On t'a donné l'autorisation de le faire. Mais en fait, on parle de quoi? Ben Vas-y, là, dis-moi juste à tout ce qui s'est passé. on va chez une veuve là pour faire en nous en mode on va lui faire une interview, je pense, il me semble. Donc Bah. moi Ouais, vas-y, dis la première, dis la première. vas-y. Si ce n'est pas nous qui le faisons, quelqu'un d'autre s'en chargera. Tu connais Augusto qui travaille à la chaîne et il a envie de faire une émission spéciale sur le sujet. Fais-moi confiance, petit nouveau. Je ne suis pas arrivé là où j'en suis en attendant qu'on me dise quoi faire. C'est tellement bizarre. Tu n'as rien vu toi, pas vrai? Ils m'ont juste raconté comment ça s'était passé, ce qu'il a utilisé pour, tu sais. Tu as bien de la chance, j'aurais préféré ne pas voir ça. Je pense qu'il parle du meurtre, parce qu'il y a eu un meurtre de son mari à la veuve, il me semble. Tu es au courant, non? Il a donné une cassette VHS à Celso. C'est important la cassette VHS. Ouais, c'est surligné. L'opérateur vidéo? D'accord, Celso était censé diffuser la cassette, mais il n'a pas pu. Il a eu des problèmes techniques. Et puis, bam, c'est arrivé. Ah, on y est, allez, viens. Il était très long l'ascenseur. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé un peu long Six l'ascenseur. étages. Très bien, appartement 608, facile à retenir, non? Pas vraiment. Alors, va là où c'est éclairé, va vers les sacs Les poubelles. sacs poubelles, les Bah, sacs poubelles. attends, attends, attends. Là? Bah 604, faut savoir si c'est là-bas 608 ou si c'est là-bas 608. Bah attends, il y a 604. De gauche à droite, je dirais perso. Ouais, vas-y. Les sacs poubelles. Ah! Ah, First try, voilà. first try, on est trop fort. Je crois que c'est l'appartement qui est juste devant. Nous y voilà. Bien, préparons-nous, d'accord? Tu peux la filmer en train d'ouvrir la porte et tout ça. Bon, je frappe à la porte ou je sonne? Qu'est-ce que ça rendrait le mieux sur la vidéo? Moi je frappe à la porte, hein, c'est plus stylé. Ah bah ok. Je ne sais pas si elle a envie de parler à des inconnus en ce moment, ou j'espère que la caméra ne fera pas de sienne pendant l'interview. Je pense qu'on prend la première, non? Ouais, la première, ça fait bien. Ouais, sinon ce serait le cas maintenant. On va sonner ou on retoque? Vas-y, on toque. Peut-être la fin du jeu. Laisse-moi réessayer. Oh mince, elle n'ouvre pas. Vite, retournons en arrière. Dis-moi, tu traînes longtemps avec Walter. Si elle refuse de nous voir, est-ce qu'elle est chez elle pour commencer? Ah, est-ce qu'elle est chez elle pour commencer? Déjà, c'est qui Walter? Bon. Retiens le nom. Ferreira l'a appelé juste après ce qui s'est passé. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit sortie de chez elle depuis hier. Oh là là. Là, on peut pas ouvrir les autres portes, imagine, genre. Mais peut-être que le 604, en allant vers là où c'est clair, on pouvait trouver une... Bon, la troisième fois sera la bonne. Moi, je sais pas, hein. Bon, apparemment, il n'y a pas de jumpscare ni rien. Ah. Donc, bon. Vas-y, fais Adriana. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour Madame Martin.
Nous travaillons pour TV8. Nous sommes venus vous présenter nos condoléances. Vous avez vraiment besoin d'une caméra pour ça? Walter, c'était son mari. Nous tournons une émission spéciale sur Walter. Ouais, je pense que c'est son mari. Un Ah, hommage, voilà. une sorte de rétrospective. Vous voyez? Il a travaillé à la chaîne pendant si longtemps. C'est pourquoi nous tenions à parler de lui avec vous, de ce qui s'est passé. Je vois. Très bien, entrez. Peut-être que ce ne serait pas un mal d'en parler. Quelle vivacité d'esprit, Je n'arrive un pas à comprendre ce hommage. chien. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait acheté ça. Qu'elle ait acheté quoi? Son chapeau? Quelle vivacité d'esprit, je pense. Je sais pas, elle a l'air un peu lente, hein. Ah, on parlait de Juliana, ok. Il faut savoir s'adapter si on veut s'en sortir dans ce boulot. Dépêche-toi, avant qu'elle change d'avis. Wesh. Ah ouais. Petit trophée Steam. Merci encore de nous recevoir, Madame Martin. Voici Sylva, il va filmer notre conversation si vous le voulez bien. Vraiment, je dois y réfléchir. Comment? Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Du thé? Du café? Oh, je ne dis jamais non à une tasse de café. Je vais préparer le café. Creepy la meuf un peu. Tu ne t'attendais pas à ça, pas vrai? Peu importe, fouinons un peu pendant qu'on en a l'occasion. Assure-toi de filmer tout ce qui attire son attention. Il y a pas mal de choses autour de nous. C'est bizarre quand Déjà, même un peu de là, au fruits et début, je croyais légumes que c'était et un tout. cadavre. Genre, si tu te mets là, j'avais l'impression que c'était genre une veste. Là, le col et la tête. Bah le chien me donne pas confiance quand même. J'ai pas confiance Non, en le chien. j'ai. Voir le chien. Jumpscare, mec. C'est bien ça. Il nous faut de belles images de Bagoff. Walter Ouais, avait clairement. même la photo du chien dans son portefeuille. Il l'a montré comme s'il s'agissait du portrait de son fils. Oh, ce serait dommage de n'avoir des plans que d'un seul mur. Alors filme toute la pièce, d'accord? Oh, stylé. Ok. Oh, Ok. 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 Creepy, creepy. Bon, on va d'abord faire ce mur. Déjà, j'ai l'impression qu'elle a plein de diplômes. Ou peut-être son mari. Ceux de son mari, ouais. Ouais. Regarde. Ah oui, c'est Regarde ce toi. dip... Alors, regarde ce diplôme. Journaliste, spécialisation en communication. Walter était très instruit. Je pense que Madame Martin l'est tout autant. Quel gâchis. En fait, je crois qu'il travaillait avec eux, Walter. Ah mais ouais, c'était pour ça qu'ils disaient un hommage. Il y a énormément de livres dans cette maison. Et rien de particulier? Ce livre n'a rien à faire ici. Voyons voir. C'est un manuel d'électronique. Il y a un marque-page au chapitre du tube cathodique. Les pages sont détachées. Le tube cathodique, c'est le truc sur la télé, donc il y a peut-être un truc à voir avec la télé, non? Quoi, un tube cathodique? C'est le l'écran en fait. Genre c'est comment ça fonctionnait avant, ça fonctionnait avec un tube cathodique. C'est un bon plan sur la télé. Il y a quelque chose de bizarre avec cette télé. Je crois qu'il y a un orage dans le coin l'autre jour. Ça a dû la détraquer. À vrai dire, je suis quasiment sûr que c'est arrivé le jour où Walter, tu sais. Et je l'entends mettre de l'eau dans la machine. Elle va bientôt revenir. Filme autant que tu peux maintenant. Ok. Le truc de cassette. Waouh, un magnétoscope. La classe. Combien ça coûte de nos jours? Environ 2 millions de cruceros? Ça va au-delà de ça, je pense. Walter avait fait un prêt pour se payer ça. Il m'en avait parlé un jour en voiture. Ouah, un prêt carrément? Attends, mais les cruceros, c'est quoi? Est-ce qu'il va pleuvoir Je sais pas. aujourd'hui? Ça doit être la monnaie. Aucune chance. Le présentateur météo affirme le contraire. Regarde. Ah, les présentateurs météo se trompent constamment. Il n'y a pas de météo là. Je pense que cette frise de vue pourrait nous aider à créer une certaine ambiance. Ouais, je sais pas ce qu'il regardait sur la télé, la meuf, mais bon, ça a pas l'air très palpitant. Ils arrivent à en déduire la météo avec des En fait, elle lunettes. était là quand on toquait. Putain, mais ils vont pas me laisser regarder mon feuilleton! C'est quoi cette statue? Regarde, un trophée du Daily. Oh, c'est vrai! Walter l'a reçu pour un article qu'il a écrit dans les années 70. Le directeur de la chaîne pensait que cela nous ferait sortir du lot. Mais ce n'a pas été le cas.
Les chaînes locales n'ont aucune chance face aux grandes chaînes. Je crois même qu'il a eu des pressions pour que cette histoire passe inaperçue. Ok. Jette un coup d'œil à cette photo. Une sorte de paysage. Ce n'est pas un décor très réjouissant. Et en plus, l'image est floue. Cette photo cache quelque chose. Je le sens. Je lui en parlerai peut-être pendant l'interview. Le café est presque prêt. En vrai, sa photo de profil à gauche, ouais, là... ça donne pas... Ouais, en plus, elle reste dans l'ombre. On dirait pas un esprit ou... Ouais, un truc dans le genre. Vous en voulez une? Bah, en vrai, je sais pas. Bah, ouais, mais frérot, imagine, elle a mis un truc dedans. Ouais, mais imagine, quand on dit non, elle s'énerve et elle commence à nous frapper. Bah, dans tous les cas... Est-ce que tu... Oh, parce qu'en vrai, je la trouve suspecte, quand même. Hein. Ouais, mais elle est suspecte, gros. Regarde sa tête. Bah ouais, mais à tout moment, elle va se dire, ouais, ils vont essayer de trouver des trucs. Et du coup, elle veut essayer de nous empoisonner. Elle a mis un truc dans le café. Donc, autant, du coup, on n'accepte pas. Merci et que... Ouais, voilà. Vas-y. N'hésitez pas à vous servir si vous changez d'avis. Ah, c'est tabou. Dites non à l'anxiété enfumée. Alors, vous avez réfléchi? C'est ce que j'ai fait. Allez, filme son sort. Très bien, nous allons bientôt commencer. Filmons l'interview sur cette chaise, Sylva. Oh là là, gros, sa tête. C'est bon? Non, mais ça n'a pas d'importance. Ok, c'est parti dans 3, 2, 1. Screamer! Ok. Nous sommes ici avec Madame Adriana Martin, l'épouse de Walter Martin, notre cher collègue qui nous a quittés si brusquement. Elle a accepté de nous accorder une interview dans ces moments difficiles. On peut facilement imaginer votre mode de vie à tous les deux, rien qu'en regardant cet appartement. Le baromètre est en forme de coque sur la télé. Le manuel électronique, les diplômes. Bah déjà, dépose déjà les diplômes, tu vois, les diplômes, c'est... Ouais, parce que là, je pense pas qu'on va d'abord parler de ça. Le manuel électronique, ouais, je pense pas. C'est flippé de parler d'autre chose. Oh, avec ça, on voit sa grosse tête en fond, là. Vraiment. Et les diplômes. Vous avez fait de bonnes études tous les deux, n'est-ce pas? On peut dire ça. J'ai fait pas mal d'études. Histoire, théâtre. Qu'en est-il du théâtre? J'ai rencontré Walter dans un atelier sur l'addiction. Je l'ai aidé beaucoup. Savez-vous qu'il avait un trouble de la parole? Une mauvaise diction. Aujourd'hui, personne ne s'en douterait. Sa façon de s'exprimer, c'était mon cadeau. Bagoff, c'est le chien. Ouais, parle-lui du chien. C'est un peu... tranquille, en vrai. Bah, vas-y. En mode good vibe. Qu'est-ce qui vous a permis de traverser ces moments difficiles? C'est Bagoff qui m'a aidé, plus que toute autre chose. Le chien. En effet, il est assez déprimé. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Walter lui manque. Non, je pense que c'est juste elle, en fait. Vraiment. Enfin, je m'occupe de lui. Ça me change les idées. On va pas dire non, la télé me paraît bizarre. Enfin, ça fait bizarre de dire... Ouais, non, là, tu viens chez elle et tu dis, putain, mais la déco est vraiment... Mais après, bon, ça parle que de la déco, donc... Parlez de la photo d'étagère, parce que vous avez dit qu'il faudrait en parler. Il y a une photo un peu particulière dans votre salon. Ah, c'est la première photo de nous deux que j'ai prise. J'ai mis l'appareil sur un trépied et j'ai tout réglé pour me prendre une photo de nous deux. Mais là, on voit ni lui ni elle. Ouais, c'est pour ça que... Ensuite, eh bien, cet étourneau est arrivé. Sorti de nulle part. Je suppose qu'on était trop près de son lit. L'oiseau s'est énervé et a attaqué l'appareil photo. Au moment même du cliché. Ensuite, il s'en est pris à nous. Ah ok, je comprends mieux maintenant. Voilà le résultat. Portrait sur lequel nous apparaissons ni l'un ni l'autre. Réalisé par le photographe de génie que je suis. Il a trouvé ça tellement drôle qu'on l'a fait encadrer. Avant, je trouvais ça drôle aussi. Avant. Oula, elle a gâché l'ambiance là. Le magnétoscope en vrai. Moi je dis plutôt le trophée. Parce que c'est son mari qui a gagné le trophée. Bah vas-y. Walter était un grand journaliste qui travaillait pour une petite chaîne de télévision. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Il estimait que, dans une petite chaîne, il avait moins de problèmes qu'avec sa hiérarchie.
il pouvait proposer des sujets, être plus impliqué. Il croyait aussi qu'il était important de faire vivre les chaînes locales. On a bien vécu, ce n'était pas un homme ambitieux, pas dans ce sens. C'était quelqu'un de bien. Écoutez, je suis désolé, mais je ne pense pas pouvoir continuer. Je comprends. Madame Martin, nous avons déjà filmé plein de choses intéressantes. Il était si différent, si nerveux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il... Il s'est suicidé ? Personne ne pouvait s'y attendre, Madame Martin. Je n'arrive toujours pas à me représenter Walter en train de manier une arme. Un pistolet ? Quel pistolet ? Walter n'a jamais eu d'arme. Oui. Le pistolet ? Celui qu'il a utilisé pendant l'émission ? Je sais que c'était horrible, mais je l'ai vu de mes propres yeux appuyer sur la gâchette. C'est ce que Ferreira vous a raconté à la chaîne de télévision, c'est ça ? Non, on m'a dit qu'il avait utilisé un couteau. Non, on m'a dit qu'il avait pris du poison. Non, on m'a dit qu'il s'était pendu. Je n'ai aucune idée, en fait. Pris du poison, en vrai, non ? Pendu, c'est trop classique. T'es en train de dire c'est trop classique sur une méthode de suicide, quand même. Ouais. Putain. Vas-y, dis poison. Vas-y. Quoi ? Comment est-ce possible ? Imagine, c'est elle qui l'a empoisonné, en fait. Bah ouais, c'est frérot, parce qu'elle a l'air étonnée, quand même. J'en étais sûr. Depuis ce maudit jour où il a reçu cette fichue cassette. Mais en fait, la cassette, c'est celle qu'on... Bah, c'est pas celle bizarre, qu'on regarde. La cassette qu'il a essayé de diffuser. Celso a examiné la cassette au studio. D'après lui, la pellicule a été brûlée, ou quelque chose du genre. Ce n'était pas cette cassette. Ce n'était pas l'original. C'était une simple copie. Sérieusement ? Est-ce que vous avez encore l'original ? Oui, tenez. Non, j'ai pas trop envie de la regarder, moi. Je ne comprends pas en quoi ce truc a pu l'intéresser, et je ne sais pas où il l'a trouvé. Walter m'avait fait jurer de ne jamais la regarder. Il ne la regardait que lorsque j'étais pas à la maison, ou au petit matin. Elle a un truc bizarre, la cassette. En vrai, moi, ça... Attends, vous voulez la regarder, c'est ça ? Pour votre émission ? Perso, non. Frérot, là, il y a une ambiance qui s'est installée, gros, avec une petite musique derrière. En vrai, frérot, moi, ça me fait penser à... Tu sais, au film avec la cassette, et genre, tu la regardes et il se passe des trucs bizarres. Ah ouais, moi, je sais pas, je regarde pas des trucs d'horreur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais je suis trop fatigué pour essayer de vous faire changer d'avis. Je crois que c'est Conjuring, un truc comme ça. Non, c'est pas Conjuring, je crois. Je vais aller fumer dehors. Je préfère ne pas écouter cette chose. Ouais, elle a un truc bizarre, la cassette, frérot. Parce que c'est trop chaud. Bah, c'est normal, gros. Voilà. Voilà, elle est là, notre histoire. On dirait que tu as vu un fantôme. Tu vas rester, hein ? Non ! Moi je me tire, perso. Faut que je comprenne ce qui se passe ici. Mais si, frérot. Tu veux rester, toi ? Faut comprendre ce qui se passe. Mais après, si il dit non, je me tire, il va quand même pas vraiment s'en aller. Le jeu, il va pas se terminer comme ça. Bah oui, mais peut-être qu'il va se passer autre chose. Frérot, c'est mieux de dire ouais, faut comprendre ce qui se passe ici. Vas-y. Je savais que j'avais raison de te demander de m'accompagner. Très bien, voici comment on va procéder. Tu vas me filmer pendant que je regarde la vidéo. Comme ça, on aura un peu plus de prise de vue. On pourra ajouter le contenu de la cassette au moment du montage. Ah, ouais, ah vous manquez de bon sens, voilà, fallait pas la regarder. Très bien, faisons un peu de place. Très bien, commençons. Filme mes premières impressions. On pourra tout arranger au montage plus tard. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton play. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je connais pas ce bâtiment. Bah, logique. Ces symboles, je peux presque. Est-ce qu'il te rappelle quelque chose, toi ? Avec la regarder, ma tête me torture, ça me donne l'impression de déjà vu. J'ai l'impression que je peux presque. Vas-y, dis ça. J'ai l'impression que je peux presque les comprendre. Ouais. Mais en même temps, je peux pas. Et j'ai l'impression qu'ils s'en mêlent à l'intérieur, même de mon cerveau. Wesh, c'est les backrooms. Oh, ça a changé, tant mieux. C'est une vidéo de Feldup, en fait. Donc, il est entré dans le bâtiment. Ils sont dans les abysses, là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Non, zoom pas, s'il te plaît, frérot. Prison, musée...
Bah, excusez-moi, là, je vois pas le centre Ouais, bah, commercial je vois pas grand là-dedans. chose. Bah, Moi, je dis, vois la prison, à la limite, ouais. l'école, Mais je dis. vois genre les classes autour, long couloir, mais c'est tout. L'école, la Mais dis prison. une prison. Une prison, ça fait un peu sinistre et tout. Une prison. À l'intérieur, des cellules. Est-ce que ce sont des gens? Ils se promènent au milieu de tout ça. De quel type de bâtiment s'agit-il? Il est vraiment très long. Regarde, il y a quelqu'un devant. Ce type, il a l'air. C'est un bail Il fait quoi là? à la catalogue, le mec. Faut que je clique ou... T'as enregistré ça? Je vais augmenter le volume. Non, s'il te plaît, non. Charade, prends ma main, on va se promener, attendre le point zéro. Wesh, ils se sont cru dans Fortnite. Je vais tâcher le ciel. Le point On dirait zéro à qu'il parle de l'intérieur de quelqu'un. l'arche perdue, je vais tacheter le ciel. On dirait qu'il parle Scan de ou quelqu'un qui Oscar? s'appelle Oscar. Scan, nous prenons le contrôle Scan. Mais là, Prends c'est le point quoi? zéro là. Charade? C'est qui Charade? Mais imagine en fait, selon ce qu'on choisit, on a plusieurs fins. Je Bah pense, c'est hein. sûr, hein. C'est sûr et certain. T'as vraiment entendu ça? Je comprends absolument rien. Je vais augmenter le volume encore un peu. Ouais, il est déjà fort. Y a pas à forcer comme ça. Vas-y, je fais la télévision. Hey, ça va? Ça suffit, je vais éteindre ce truc. J'en ai assez, je me casse d'ici. Moi, je pense Qu'est-ce que tu juste veux dire on ce truc? l'éteint. Juliana, si tu te retournes et que t'as une tête bizarre. Ouais, vraiment, quoi. Attends, sa tête, elle fait un 3-6. Waouh! Oh, c'est pris une flash! Ok. Nous revenons tout de suite après cette courte interruption. Community TV. 8h08. 10h10. Mais programma, ça c'est. Ah, mais oui, c'est espagnol. Fallait peut-être retenir les trucs, hein, 8h08, 10h10. Parfait, on est dans le bon bâtiment. Est-ce que la caméra tourne? Genre là, en fait, on a eu une fin pas bien? Vas-y, je mets l'autre du coup. Oui, les rushs risquent d'être utiles. Laisse-moi appuyer sur le bouton. Sixième étage, appartement 608. Wesh. On dirait que t'as vu un fantôme. Alors attends, j'avais Une pas vu impression de ici, déjà il y a vu, quelque je... chose de différent, je trouve. Ah mais attends, genre en gros je pense qu'il est en train de revivre les mêmes moments et genre en Oui, fait mais c'est au ça. fur et à mesure. Il revit là le truc où il va chez la veuve. Sauf que là, il Ouais se ouais. dit, wesh, c'est bizarre, je l'ai déjà vécu ce Oui, truc. c'est ça. Bah, du coup, on met le premier. J'ai Hein. une impression déjà vue, ouais. Je vois. Bon. Du coup, au final, c'est même pas Julien là le problème en fait, c'est nous. Bah, c'est peut-être juste la cassette en fait. J'ai eu peur quand ça Ouais, s'est moi ouvert. aussi, moi aussi. C'est bon, allons au 608. Va à l'autre, va à Ouais, l'autre. voilà. Je continue à la Continue vers fenêtre. la fenêtre. Continue vers la fenêtre, parce que sur les petits, c'est un truc bizarre hein, qu'on peut voir. Qu'est-ce que tu fais? Et si tu arrêtais un peu de nous faire perdre du temps? C'est possible, hein? Je me disais qu'on C'est pourrait pour filmer filmer quelques quelques plans plans d'ici ici pour la pour la vidéo. vidéo. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez Vas-y, toi? dis le premier. Bah, Dis le pourquoi premier, on on fait serait ça. énervé comme ça? Ouais, j'avoue, c'est une excuse en vrai. Ah, d'accord. Dis-moi, t'as filmé ça? Très bien, allons-y. Voilà l'appartement. Enfin... Je me charge de parler. Wow, Ouais, elle s'acharne. Bonsoir. Nous travaillons pour TV8. Nous sommes venus vous parler de ce qui s'est passé. Ça ne vous dérange pas si on filme, n'est-ce pas?
Vous voulez parler de Walter, c'est ça? Les derniers événements, c'est difficile pour vous d'en parler, n'est-ce pas? Entrez, peut-être que ça me fera du bien de parler à quelqu'un. Déjà, c'est différent. Et tu ne crois pas que tu voyais un peu fort, il y a quelque chose qui cloche ici. Est-ce que vous parlez de la cassette? Moi, je pense Je vérifie. que c'est au même milieu, hein. Ouais, on lise direct. Ouais, en effet, c'est ce que nous allons découvrir. Allez, entre. Mais du coup, je crois que c'est des choses qu'on va savoir et qu'on va pouvoir montrer qu'on le sait, tu vois. Et elle va Attends, sortir c'est de son louche, coin. ça échappe à peine à votre conscience, pas de chance. On va commencer. Vous voulez boire quelque chose? Thé? Café? Non, merci. Alors qu'au début, elle avait dit oui quand même. Je vais quand même faire quelque chose. Le chien, il est plus mort. Ah mais attends, je peux contrôler. Non, on va juste... Bon sang. On va devoir l'attendre. Je vais jeter un coup d'œil dans le coin. Ouais, si tu veux. Le chien? Il a l'air en forme cette fois-ci. Il a Peut-être l'air trop mort en et tout. forme. Hey, Bagoff. Oh mais attends, mais c'est bizarre qu'ils connaissent le nom. Il semble un peu nerveux, mal à l'aise. Ou bien est-ce qu'il a Oh, peur? imagine, il y a un truc derrière nous. Il regarde le truc derrière nous. Ouais, parce qu'il a l'air. Oh, ça a changé. Un oiseau. Je vais quand même... Oh, ok. On peut regarder les trucs qu'on a déjà inspectés. Ça, on Mais l'a il y a pas fait des encore. nouvelles choses, hein. Regarde, c'est passé aux infos. Walter Martin, mort, tragique. Trace d'arsenic décelée. Voilà, trace d'arsenic. Donc on avait raison. Il est bien mort. Il est bien mort empoisonné. Empoisonné. Je regarde juste ce qu'il y a. Il y a rien. Enlève-moi ce truc de là. Quoi? Tu m'as entendu. Tu devrais pouvoir atteindre le sommet en sautant, non? Alors, enlève ça me met mal à l'aise. Mais elle s'est cru chez qui elle? D'accord, très bien, je vais l'enlever. Non, pas question, c'est quoi ce délire? Bah, je Mais l'enlève c'est quand quoi ce même, délire je en vrai? pense. Bah, ouais, Imagine, genre, je vais pas ça c'est un l'enlever. truc rituel de je sais pas quoi, machiavélique. Je vais pas voir c'est quoi en fait, je vois pas Bah, trop. je pense que c'est un fer à cheval, hein. Ah ouais, Ça ressemble à un fer à c'est cheval. pas con. On enlève ou c'est quoi ce Ouais, délire? vas-y, dites c'est quoi ce délire, c'est quoi ce délire. Ma mère avait un truc pareil à la maison. Quand je regardais ce truc, ça me fait penser à elle. Et je n'ai pas envie de me souvenir d'elle. Alors, est-ce que tu vas l'enlever? Oui ou non? Bah ouais, Allez, je je l'enlève. l'enlève. Ouais. Ceci n'est pas un fer à cheval. Ah, ok. Et voilà, tu as encore tous tes doigts, non? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je m'en fiche, tant que c'est loin de moi. C'est quoi cette plante? Aucune idée, mon vieux. Quelqu'un prend soin d'elle? J'imagine que Madame Martin ne s'est pas laissée abattre par la tragédie et qu'elle a gardé une sorte de routine. C'est peut-être ça qui lui a permis, qui lui permet de ne pas toucher le fond en ce moment. Ok. Je suis pratiquement sûr qu'il y avait une paire de bottes ici, quand nous sommes rentrés. Le chien, Oh gros, putain, le j'ai chien, il cru. est mort celui-là. Gros, le chien, j'ai cru voir une entité bizarre. Mais bon, il n'y a pas de screamer dans le truc, donc. En fait, c'est vraiment l'ambiance. Wesh, c'est le jeu auquel on joue, ça. Il y a un couteau? Un couteau, oui. Attends, mais attends, je suis trop con. Le jeu, tu sais, au-dessus, il y a écrit. C'est Téléforum, et au-dessus, il y a écrit Walter Martin. Mais en fait, c'est le mec qui est mort. Bah oui, tu sais pas. Bah, si, mais j'avais pas fait gaffe que c'était au-dessus du jeu. Donc, ça se trouve, en fait, le jeu, genre, tu sais, ça a un rapport avec le truc. Putain, je viens de me rendre Quelque compte. chose à propos de ce téléviseur m'a fait froid dans le dos. Oh Voilà. non. On dirait un vampire sur la photo de profil à gauche. Oh mec, j'ai peur. Oh non, j'ai trop peur qu'elle s'avance et qu'elle fasse des trucs bizarres. Venons-en au fait. Walter a apporté une cassette à la chaîne, mais ce n'était pas l'original, n'est-ce pas? L'original est ici, avec vous. Comment le savez-vous? Nous avons examiné celle qu'il avait avec lui. Je veux voir l'original. Eh bien, d'accord, je l'ai ici. Est-ce que vous savez où il a trouvé cette cassette?
C'est pour ça que vous êtes venu ici? Si j'avais su, je n'aurais jamais ouvert la porte. Tenez, prenez-la. Je ne veux plus voir ce truc. Je vais aller fumer dehors. Prévenez-moi quand vous aurez fini. J'ai un dialogue qui change de fou. Attends. Laissez-la en paix, mais c'est au-dessus de vos forces, pas vrai? En gros, là, Je vais faire une vidéo dans la cassette, de la cassette. Et elle est veuve. Qu'est-ce qui te prend? Bah, on a déjà fait une vidéo de la cassette en soi. Je n'ai pas le temps pour ça, mais très bien, t'as raison. Tout ça me rend nerveuse. Tu sais quoi? Pourquoi n'irais-tu pas la voir? Non, non, s'il te plaît. Mieux encore, va l'interviewer. C'est ce que tu as toujours voulu, non? C'est l'occasion jamais. Essaye de voir si elle veut bien répondre à quelques questions sur l'origine de cette cassette. Gros, c'est la personne la plus suspecte que j'ai jamais vue de ma vie. Ah, je sais pas, hein. Moi ça va. Je trouve pas que je suis une vieille personne triste. Ah, là, voilà. Calme-toi. Bizarre. C'est quoi cette odeur? Je ne sens pas la cigarette. Wesh. De la meuf, frérot. Si je fais du bon travail. Ça va m'ouvrir des portes. Peut-être que Madame Martin pourra se sentir un peu mieux grâce à moi. Ça ne changera probablement rien, mais j'ai besoin de le faire. Ça moi, je. Des portes, en vrai. Vas-y. C'est parti. Joins les journalistes. Madame Martin? Qu'est-ce que c'est? C'est nous, madame. Et là, elle saute. Oh non! Vous avez fini? Pas encore. Juliana est en train de regarder la cassette. Oh non, on va revenir, elle va être trop bizarre. J'aimerais vous poser quelque chose. Ah ouais, j'avoue. Pour votre reportage? Ce n'était pas la fille qui devait poser la question. Oui, mais elle s'occupe de la cassette, c'est une opportunité pour moi. À vrai dire, je me faisais du souci pour vous. Je vais faire genre le suceur un peu, non? Vas-y. Des filles comme elle, j'en ai eu beaucoup dans ce métier. À cause de Walter. Il y a des gens qui ne reculent devant rien. Mais... Très bien, allez-y, faites donc votre interview. Vous feriez mieux de bien réfléchir à vos questions. Ma tête est sur le point d'exploser. Bah la cassette en soi on l'a vue, donc qu'est-ce qu'il y a, on le sait. Comment était Walter ce jour-là et comment allez-vous? Peut-être en vrai ça. Ça se trouve, tu sais, il a pris le poison, mais il y a eu un temps d'effet, donc entre-temps il a peut-être... Vas-y. Normal, comme d'habitude. Il a passé tellement de temps à regarder ce truc, mais son attitude n'a pas changé. Il était préoccupé, mais je n'aurais jamais pensé que les choses en arrivèrent. Là, dans la rivière là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a laissé un message. Je suis tombé dessus quelques minutes après que c'est arrivé. La seule chose étrange qui s'est passée ce jour-là, c'est qu'il a fait une copie de la cassette. Est-ce que vous savez d'où elle vient? Pourquoi a-t-il fait une copie? Pourquoi avez-vous gardé la cassette? Est-ce que vous savez d'où elle vient? C'est la première question que tu poses en vrai. Ouais, j'avoue. Non, il faut qu'on enquête là-dessus. Je pense qu'il l'a reçu à la maison, mais je ne sais pas qui l'a livré. Walter collectionnait des films difficiles à trouver, des enregistrements. Je me suis juste dit que c'était une cassette de plus. Rien que de penser à cette fille seule dans mon salon, en train de regarder ce truc. Ça me donne la chair de poule. Dites-moi, vous savez pourquoi elle s'intéresse tant à cette cassette? Parce que c'est un élément clé de cette affaire, je pense. Lire l'avidité dans les yeux de votre collègue quand elle a demandé la cassette. Pour être tout à fait honnête, je pensais que vous me poseriez des questions sur Walt. C'était votre collègue de travail. C'était le plan. Ce n'était vraiment. Est-ce que votre collègue se comporte toujours comme ça? Je mettrai ma main à couper quand c'est déjà l'heure. Ah ok, donc elle aussi, elle a le fait de, de repenser... Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, vous aussi. Peut-être que c'était la chaîne, je ne sais plus. Je ne crois pas, je ne travaille pas là-bas depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que vous ne me faites pas la même impression qu'elle. Pas encore, tout du moins.
Moi? Oui. D'ailleurs, pourquoi êtes-vous mêlé à tout ça? Eh bien, c'est mon travail, je ne choisis pas ce que je dois faire, ou est-ce qu'il serait possible de terminer l'interview avant? Non, ça c'est méchant ça. Ça fait un peu. Moi, je dis c'est mon travail, hein. Donc vous préférez oublier vos valeurs? Très bien. Non. Je ne vous en veux pas. Vous n'y êtes pour rien. Enfin, pas vraiment. Vous savez quoi? Je comprends tout à fait. Je comprends l'ambition de gravir les échelons. La chasse au sujet sensationnel. Vous le sentez, vous aussi, non? Rien de bien ne peut sortir de cette cassette. Et même de toute cette histoire. Je n'avais Ça pas n'a prévu. jamais rien apporté de bon jusque-là, ou c'est précisément pour cette raison que nous devons enquêter? Ouais, Moi, c'est je ça. pense que c'est pour ça qu'on doit enquêter. Ouais. Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment la recherche de la vérité qui se cache derrière ce mystère que vous voulez percer? Ou y a-t-il autre chose? Et si c'est autre chose, alors ce ne serait pas correct de votre part? J'ai besoin de savoir. C'est ça, voilà la raison, il le faut. Ah, je sais pas, gros, je sais même pas pourquoi on doit regarder cette cassette. J'ai besoin de savoir. Bah dis, j'ai besoin de savoir. C'est à toi? Au moins, vous êtes honnête. Écoutez, j'ai une migraine atroce. Allez voir si elle a fini. Ensuite, je vous demanderai de partir, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Je veux que vous quittiez mon salon. Gros, son chien là, son chien il va faire Mais 3 mètres de pourquoi long elle est son vénère là chien. d'un coup? Oh, elle était trop gentille, elle est devenue Ah, vénère. quel professionnalisme! Bien joué! Merci pour votre temps, Madame Martin. Tout le monde fait un Wesh! bruit ultra bizarre. On va rentrer. Wesh, regarde! Regarde toute la lumière! Ouais. Ou flashbang! Oh non, me dis pas que non, on recommence encore! Vivre encore. Quelque chose a retenu votre Voilà. attention à la fin de l'acte 2. La lumière. 8h08, ciné 8, 10h10, programme. Et... Oh, wesh! Gros, j'ai vu sa tête, j'ai une petite Pourquoi montée j'ai vu? d'adrénaline. Ouais. C'est à toi, frérot. Je dois aller jusqu'à l'appartement. L'appartement. Quel appartement? 608. Le numéro de Oui, l'appartement ne vous c'était lâche ça. pas. Il y avait quelqu'un d'autre avec moi. Juliana. Joule. C'était Jules. Non, je pense pas qu'il y ait un accent et je pense pas qu'il y ait de haine. Je pense que c'était elle. Comment ai-je fait louper Le ça? nom de votre collègue ne vous échappe pas. Ne vous lâche pas. J'ai de plus en plus de mal à me souvenir à chaque marche. Hein. Cette cassette. Oh, excuse-moi, gros, j'avais oublié de cliquer. Ce que j'ai vu sur cette cassette. J'ai regardé un Il y avait un cauchemar homme non couchant par terre. enregistré. J'étais en train de Un homme. regarder et d'oublier le nom de ce que j'ai vu. Je voyais le passé d'un futur qui n'est jamais arrivé. Attends, je voyais le passé d'un futur qui n'est jamais arrivé. Ah ouais, c'est bien ça. Mais je Attends, voyais le attends. passé Je d'un futur voyais qui n'est jamais arrivé. le passé d'un futur. Ça veut dire quoi, frérot? Le passé En d'un gros. futur, c'est le présent. Attends, parce qu'en fait moi je l'ai compris. Attends, je voyais le passé d'un futur. En fait, en gros, c'est on voit le passé de quelque chose qui se serait passé dans le futur. En fait, Ouais, il je faut comprends pas trop imaginer. là. En gros, c'est comme si il se passait 10 ans, encore une dizaine d'années, donc on va dire il s'est passé 20 ans. Durant ces 20 ans, on regarde quelque chose qui s'est passé les 10 années Avant? avant. Oui, Et en mais en soi, fait, c'est comme si tu ça n'est jamais regardais. passé, tu vois. Ah ouais. Non, Oh, en je sais fait, pas, c'est c'est jamais passé. bizarre. Moi, je serais plutôt Ouais, sur le et c'est cauchemar, ça. hein. Ouais, mais un cauchemar enregistré, vraiment, pour moi, ça Frérot, signifie rien. t'as vu, on aurait dit les backrooms, gros. C'est un futur qui n'est jamais arrivé. Ouais, bah vas-y. Vas-y.
Mais après, il y a aussi ça. J'étais en train de regarder et d'oublier le nom de ce que j'ai Le nom vu. de ce que j'ai vu. Tu sais, il regardait et après, il oubliait qu'il avait refait le truc. De quoi? Bah, il est allé, il a fait bonjour au chien et tout, à la meuf. Après, bam, flashbang. Je vois Et le il est passé d'un revenu et... futur qui n'est jamais Et arrivé. vas-y, on met en Mais haut, je si, pense. je vois. Attends, frérot, regarde, je voyais le passé d'un futur qui n'est jamais arrivé. C'est en fait, c'est quand il revit. Parce qu'au final, regarde, quand il revit la chose, c'est-à-dire qu'en gros, il revient dans le passé, mais en même temps, les dialogues et tout changent. Il y a tout qui change. Donc en fait, ça n'est jamais arrivé. Au final, c'est un futur qui n'est jamais arrivé. Tu comprends ou pas? Ouais, à peu près. Vas-y, on met ça, En tu fait, veux? si. Vas-y, bah ouais. Parce que pour moi, c'est plus représentatif. Dans quel avenir suis-je en train d'exister? De quel passé est-ce que je viens? L'appartement? Ces escaliers sont infinis, par contre. Elle est toujours dedans. Bah déjà, frérot, le temps de l'ascenseur là. Rendez-vous au étage. On n'est plus au sixième. Voilà! Le Wesh. mieux vaut tout filmer. Mais c'est pas la même. Tout pourra être utilisé. Ouais, c'est pas la même chose là. Creepy un peu. Ce bruit. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux suivre? Frérot, je n'ai aucune idée. Le jeu m'a perdu. Non, il faut que je réfléchisse. Genre, faut réfléchir, tu vois. Faut pas y Ouais, aller faut pas y facilement. aller. Donc, du coup, plutôt là. Il faut que je continue. Est-ce que c'est le bon chemin? C'est le chien, mec. Je ne sais pas, je dois être plus attentif. Oui, par Mais. exemple. Attends. Du coup, ça veut dire Mais que le t'entends, chien est c'est le pas là. chien, frérot. C'est le chien, il est en train de. Du coup, il faut qu'on aille vers le bruit. On va vers le bruit, du coup. C'est vraiment la porte. De l'ascenseur. Est-ce que c'est Oh, ici? excuse-moi, gros, j'étais en train de le dire tout seul, j'avais oublié que. Non, non, t'inquiète. La porte ne s'ouvre pas. À tout moment, frérot. Y a pas de Bah, screamer. ouvre. Oh non, je crois que Non, non, c'est. mais. Non, il y a une image du jeu où il y a la meuf. Et ça se trouve, on va se voir nous, t'imagines? Je n'ai pas envie de voir ce qu'elle a en Voilà, face. c'est cette image. Oh non. Oh gros. Oh non, j'ai pas envie qu'elle Non, se non, retourne vers non, nous. non. Non. Attends. Ok. Le dernier Cette femme, étage, c'est le. je la connais. Et que je C'est regarde derrière moi, Juliana, je je la connais. crois. Pourquoi est-ce que je me mets à pleurer comme ça? Je suis sensible, le mec. Bah Je après, ressens frérot, un t'as rien. vu. Je C'était n'ai plus rien à Juliana, voir. je crois. Ah voilà! Il y a une sacrée odeur ici. Ouais, je le sens. On dirait une play. Où est-ce que j'ai senti cette odeur déjà? Bah les poubelles. Ah non non non! Quand elle fumait. Oh gros, j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il était mort le Ah, chien. ce chien, Oh, j'ai cru putain. qu'il était mort. Je regarde derrière moi, hein, parce que. Bah je continue Je hein. devrais venir. Vas-y. Ok. Bug off. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Oh, bug off. J'espère qu'il va bien. Peut-être qu'elle a sauté la meuf. Où Est-ce que est-il à tu fabriques présent? ici? Où est ta maîtresse? Hey, bug off. Où elle est, ta maîtresse? Je rêve ou le chien préfère éviter l'appartement? Oh non, gros, on va rentrer dans le. Oh non, pas maintenant, allez. Ah. Oh. Bug off. Non, bah gaffe, Viens reviens! ici. Imagine, il a vu quelqu'un. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il y a un truc par terre. Ouais, c'est Il vient de se quoi? précipiter dans le couloir. Hein? On dirait qu'il était allongé sur un papier. Cherchez Bagoff, Bah, 10 minutes, évidemment. je prends la note. Et un mot. Je n'en pouvais plus et j'ai fait ce que je n'aurais pas dû. Walter? Je vis maintenant le passé d'un futur qui n'a jamais eu lieu. Ok, c'est ce que t'avais dit. Je me déplace au gré d'événements étranges, de faits éphémères. La vérité et le mensonge ne font rien de plus que le rêve d'un idiot. Si quelqu'un lit ceci, ne laissez pas Bagoff livrer à son propre sort. Merde. Oh non. Elle aussi. Elle Oh aussi. non. Ah, ces lettres me donnent le vertige. Une minute. Le chien. Non, le Il est en train chien. d'aboyer sur quelque chose, hein. Il est en train d'aboyer. Où est-il passé? Non, il fait plus de bruit là.
Ah si, moi frérot, j'entends vraiment aboyer là. Non, 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 c'est Allô? trop creepy, gros. Je vais aller à l'intérieur. Il est nuit, hein. Bah oui. Est-ce que je suis en train d'entrer à l'intérieur? Vraiment? Oh, excuse-moi. Vraiment? Je vais. Je ferme mes yeux, hein, j'ai pas envie de voir ça. Hey, je n'avais pas remarqué ça avant. Et c'est horrible. Garder pour soi. Le dire à haute voix. C'est la caméra qui me porte. Hein? C'est quoi ça? La caméra, le caméraman en fait. Ouais. Pas l'inverse. Je ne sais même pas quand tout a commencé. Peut-être que ça fait longtemps. Peut-être au moment où j'ai envoyé ma candidature. Bagoff, je vais entrer. Non, rentre pas, s'il te plaît. Rendez-vous à l'appartement numéro. Numéro. Apparemment, elle a été traumatisée, la personne qui regarde la J'ai télé. pas envie de regarder à droite, gros. C'est l'endroit où il y a le moment sombre et tout. C'est. Oh, Y a wesh. plus la chaise. C'est télé. Ouais. On y va, hein? Vas-y. Bah, le son, frérot, c'est le jeu, quoi. Imagine, gros, de tout au fond, on voit un truc courir. Non, non, il n'y a pas de screamer dans ce jeu. C'est le chien. Et la meuf, elle a dit ne la laissez pas seule, elle aussi. La meuf, elle est où? Oh non, elle va être derrière. Mais la meuf, c'est pas Julie, c'est pas Julia, Non, mais quoi. l'autre, la maîtresse du chien. Vous avez regardé. Ok. Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale. Ce sera peut-être ma dernière. En effet, j'ai une annonce à vous faire à chacun d'entre vous. Il y a quelques semaines, j'ai découvert quelque chose qui depuis me tourmente. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui va suivre. C'est pourquoi je dois vous le montrer. Il y a des chances que cela vous hante, tout comme cela m'a hanté. Cependant, ma profession, mon travail, pendant toutes ces années, a été de mettre à jour la vérité. Et si un jour nous voulons être libres, il faut que chacun d'entre nous soit au fait de ce que je suis sur le point de vous montrer. Pour ce faire, je vous demande à tous de régler correctement votre téléviseur. Essayez de. Asseyez-vous conservez. Wesh. Et pour finir, regardez Il regardait attentivement. attentivement. Apparemment, le jeu, je crois qu'il doit durer 1 heure. Il me semble. Peut-être un peu moins. Cette cachette VHS est la propriété. Ça, c'était le début du jeu. Ça, c'est quand on lance le jeu. Attends, je vais. Ah, pardon. Ça, c'est ce qu'on vient d'entendre, non? Et tout ça, là. Ouais, tout ça en fait c'est ce qu'on a vécu. Donc tu vois, il y a. Ça, c'est le moment pub. Huit, 10, 10, minuit. Y a pas un truc avec les chiffres, non? Je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, quand il demandait où est l'appartement, il y avait écrit 808, je crois. Après, Non, il y avait écrit 800. 608. Non, c'était 808. C'était 608, 806. Et ouais, peut-être 808 aussi. Il y avait 808 au début, il me semble, non? Mais ça, c'est les pubs qu'on a vues. Mais ça, c'est quoi ça? L'heure viendra. Il y a eu un mort là. Un monstre? Drone Lake.
Emergency alert. Mais en fait, ça, je pense pas que c'est. Je pense que dès qu'on va sortir, il y aura la meuf en fait. Bah vas-y, vas-y. Galerie? Ouais, la galerie, en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est les fins qu'on a eues. C'est pas les fins, je pense. Parce que regarde, tu sais, ça c'était le truc en mode petite pause entre le truc. Donc je pense pas que ce soit une des fins. Bah, je sais pas. Bon, bah, vas-y, viens, on continue comme ça, il y aura peut-être d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. Ouais, t'inquiète. Bah, de toute façon, rembobiner, ça se trouve, c'est pas la fin, ça se trouve. Bon. Il se termine. Rembobiner. On recommence du tout début là? Merci de rembobiner. Voilà, c'est le bon bâtiment. Et tu l'as allumé cette caméra? Ah ouais. Voilà. C'est vrai, il vaut mieux avoir le plus de rush possible. Bah là en soi, on s'en fiche un peu de ce qu'ils disent. Faut faire gaffe que quand c'est des nouveaux dialogues. Passer juste à ce. Ah ouais, mais du coup, on a déjà fait. En fait, si je recommence depuis le début. Oui, ça, mais genre par exemple, là, tu t'en souviens, on avait eu un succès comme quoi on a refusé l'eau. Imagine, genre, on accepte l'eau, du coup, on a un autre succès où, genre, ça. La fin diffère. Là, on était directement allé à droite. Si là, on va vers la fenêtre. Ok. Finalement. Non, là on va sonner par exemple, imagine genre. Je vais faire appel des siennes parce que. Elle ne marche pas. Ouais. Ouais, elle s'est éteinte quand il y avait le chien. Dis-moi, tu as travaillé longtemps avec Walter, environ 4 ans. Je suis. Ça m'a beaucoup touché aussi, tu vois. Je veux faire quelque chose pour lui. Et tirer parti de la situation par la même occasion? Bien sûr. Il aurait dit que je faisais preuve d'un opportunisme effroyable. Bon, la troisième fois sera la bonne. Donc là, c'est ce qu'on a déjà fait. Un hommage. Bon, je speedrun un peu là. Hein. Ouais. Le chien, il a dit qu'il faut pas laisser le chien tout seul ni elle. Mais c'est qui elle? C'est la meuf ou Juliana? Ah non, il y avait deux N à Juliana. Je m'en souviens qu'on en avait mis qu'un. Wesh! Oh, j'ai peur. Gros, c'était vraiment. Ouais, j'ai pas compris C'était là. vraiment le truc le moins effrayant de ma vie. Mais j'ai eu peur. Ah voilà, regarde les bottes. Les clés, ça, il n'y avait pas ça avant. Je me souviens que Walter avait acheté ses imperméables pour faire un reportage. C'était au bord d'un lac où il pleuvait des cordes. Ou une histoire du genre. C'est à toi, frérot. En effet, l'image m'est restée en tête parce qu'on ne la voyait plus sous le truc. Je me souviens de cette histoire. Un type lui avait volé 500 cruceros pour un manteau trop grand. Il avait l'air ridicule, mais il avait payé tellement cher pour ce fichu manteau qu'il voulait absolument le porter. Le pauvre.
Ah, ok, les bottes, ça va avec. Donc ça, on l'avait déjà regardé là. Laquelle t'as regardé? Est-ce qu'elle est encore là-bas? Ouais. D'accord. N'éteins pas la caméra, continue de regarder un peu partout. Mais là, c'est bizarre parce que là, regarde, là, on voit que ça a une fin. On voit la table, on voit une sorte de Noir blanc. frigo, j'ai l'impression. En tout cas, de mon point de vue, là, on dirait un tiroir ici. Là, le plan de travail. Mais déjà, pourquoi allume Mais. pas la lumière? Elle est bête ou quoi? Putain, je me suis brûlé avec les cafés! Long métrage, nous ne prenons pas les produits endommagés. J'ai rien fait. Non, je suis trop con. J'ai vu la flèche vers la droite. J'ai fait comme ça, j'ai vu la flèche vers le haut. Je me disais, putain, on peut aller voir la porte. Alors qu'en fait, non. Il n'y a pas des trucs cachés ou qu'on pourrait regarder. Il y a forcément des nouveaux trucs. Là, cette photo, par exemple. Il y a un tableau ici. Je crois que c'est Madame Martin qui a peint cette toile. C'est vraiment moche. Ouais. Tu connaissais Walter mieux que moi. Il lisait beaucoup. Tous les jours, il lisait la majorité des journaux. Je suppose que ces livres appartiennent à Madame Martin. Et je l'entends mettre de l'eau dans la machine. Elle va bientôt revenir. Filme autant que tu peux maintenant. Vise à moi un peu ce titre. Mort tragique de Walter Martin. Donc c'est déjà aux actualités. Elle ne risque pas d'avoir la paix pendant un petit bout de temps. Attends, ils n'ont pas. Ouais. En effet, elle n'a pas fini d'en entendre parler. Allez, on va devoir se retourner pour aller la voir. Bon, ça. Ah oui, il y a le truc cathodique déjà, ouais. Les pages sont détachées sur le truc cathodique, donc je sais pas, peut-être que. On sait quand qu'elle vient par contre. Mais c'est après ça normalement. Le café est presque prêt. Presque. C'est-à-dire qu'il est pas prêt, Du mais coup, on normalement. dit oui. Ouais, on dit oui. Je vous en prie. Ah voilà. Déguster le carburant du freelance. Ok. Alors, vous avez réfléchi. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, je suis bien sans ordre. Très bien, nous allons bientôt commencer. Filmons l'interview sur cette chaise, s'il va. C'est bon? Non, mais ça n'a pas d'importance. T'as eu un peu de latence là? Ah, parce qu'on l'a déjà lu. Ouais, mais bon. J'avoue. Alors attends, Le il y a manuel beaucoup de. électronique là, faudrait peut-être parler Ouais, de. Parce ça. que là, On a un on tableau. a déjà parlé des. Walter lisait énormément. Que lisait-il ces derniers jours? Il se. Oh, pardon. Il se promenait dans toute la maison avec une espèce de manuel dans les mains. Un manuel d'électronique, je crois. Il n'arrêtait pas de bidouiller le magnétoscope. Je l'ai remarqué parce qu'il avait même arrêté de lire les journaux. Ah ouais, donc il était préoccupé par le truc. Ouais. Là, faut peut-être parler du Après. magnétoscope, du coup. Ouais, vas-y. J'ai remarqué que vous avez un magnétoscope tout neuf. Je suis curieuse. Tout simplement, je sais qu'Walter était un vrai cinéphile. Quel genre de film préférait-il? Madame? Est-ce que vous pouvez me poser une autre question? Oh, Insister? bien sûr. Ok. Comme vous voulez. Bon, du coup, Je suis mauvais l'impair. journaliste, je crois. Ouais, la paire de Walter. Walter. Walter beaucoup d'affaires de Walter sont encore ici. Oui, j'ai pensé à vendre l'appartement. À cause de tout ça. Mais tous ces objets rendent les choses encore plus difficiles. Je pense à me débarrasser de tout. C'est un véritable enfer. Bon là, du coup, Il y a beaucoup de. la peinture, on l'a pas La eu. peinture, ouais, vas-y. C'est vous qui avez peint les tableaux du salon, non? Oui, je peins depuis des années. C'est bien gaze. J'ai travaillé sur le portrait de Walter. Je n'arrive même plus à le regarder désormais. On entend le caméraman derrière dire putain, ça pue la merde. Écoutez, je suis désolé, mais je ne pense pas pouvoir continuer. Je comprends, Madame Martin. Nous avons déjà filmé plein de choses intéressantes.
Il était si différent, si nerveux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il... Bah, pourtant, elle avait dit qu'il était normal. La dernière fois, quand on lui avait dit comment il Ouais, c'est était. vrai. Mais en plus, elle avait dit la même chose, on lui a reposé la question, elle a dit... Ouais, mais c'était durant le moment de la... L'interview. Ouais. Personne ne pouvait s'y attendre, Madame Martin. Je n'arrive toujours pas à me représenter Walt en train de manier une arme. Ah, ça on l'a déjà. Si on disait autre chose que l'empoisonnement, parce que l'empoisonnement, on sait que c'est vraiment ça, je pense, mais. Pendu, peut-être? Non, mais là, on... Oh, lui, c'est Couteau. trop classique. Quoi? Comment est-ce possible? Bon sang. J'en étais sûr depuis ce maudit jour où il a reçu cette fichue cassette. La cassette qu'il a essayé de diffuser? Sans là déjà. Moi là du coup je pense qu'on demande à fuir parce que la dernière fois on était resté, je pense qu'on fuit là. Vas-y. Moi je me Ah, par tire la tête, d'ici je du me coup. tire d'ici. Oula, je t'arrête tout de suite, je ne veux pas te laisser passer à côté d'une opportunité pareille. Écoute, je ne te demande pas de la regarder, je te demande juste de me filmer pendant que moi je la regarde. Comme ça, on aura un peu plus de prise de vue. On pourra ajouter le contenu de la cassette au moment au montage. Un effort louable. Non, s'il vous plaît. Pas la cassette. Épisode Findings numéro 95. Surtout, n'allez pas voir cette vidéo. C'est dégueulasse. Regarde ma tête, je me torture. Excuse-moi. C'est ce que j'ai mis ou pas? J'ai pas vu en fait, j'ai mis. Ouais, c'est ce que t'as mis. Moi, c'est les yeux. Oh, ça a changé, tant mieux. Alors, on avait dit prison, viens, on dit une école. Ce sont des salles de classe? Pourquoi leurs vêtements ressemblent-ils tant à mon uniforme du lycée? Ils se promènent au milieu de tout ça. De quel type de bâtiment s'agit-il? Bâtiment D. Oh non, elle va augmenter le son. Laisse ce type tranquille, s'il te plaît. Ska nous prenons pour Ska. Attends, je sais. En fait, c'est peut-être. Ok. Ska, tu as entendu ça vraiment? Je ne comprends absolument rien. Je vais augmenter le volume encore un peu. Ah mais frérot, quand t'écoutes bien, on dirait vraiment il dit Ska nous prenons le contrôle Ska. Ouais, mais je sais, c'est. En fait, on est censé déchiffrer ce qu'il dit. Et là, on va se faire flashbang. Ça suffit, je vais éteindre ce Non, truc. non, 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 bah non, je me non, j'en casse. ai assez, je me casse ici. Wouah! Terrorist win. Petite pause pub. Tin, tin, J'aime bien la tin, musique par contre. tin, tin, Ouais, ouais, tin. ouais, ouais. Ok. Viens, on essaiera une autre chambre. Genre quand tu vas te dire la pièce, on dit un autre truc. Ouais. Regarde, là, il écrit 808, 10, Ouais. 10. Peut-être qu'il y a un rapport. Après, ça va refaire. Ça y est, ça tourne. Eh, mais regarde, frérot. Elle a l'air défoncée, la meuf, maintenant, à gauche. J'avais pas vu. Ah ouais, j'avoue. Me dis pas que ça y était Avant... aussi avant. Wesh. Wesh. Oh, c'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. La meuf, Je par trouve contre, je ne qu'il y a un m'attendais pas, truc gros. différent chez toi aujourd'hui. Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui. Oh, elle est défoncée, mec. Voilà, là, t'es Je suis pas. maquillé différemment. Elle s'est pas coiffée, surtout. Ok. Imagine, là, on refait pas le jeu, mais imagine, ce genre, c'est vraiment la Oui, c'est une continuité. suite. Ça se trouve, c'est vraiment une suite. Non, je pense pas quand même. Bah, la fenêtre, on y est déjà Il allé. irait directement, oui, directement. Oh, ça y est, l'atmosphère commence déjà à. Même si je sais qu'il y aura rien, mais vas-y. Ouais, mais c'est pesant, tu vois. Ouais, voilà.
Tu vois là, elle est vénère là. Est-ce que vous parlez de la cassette? Ouais, vas-y. Mais elle se dit pas, il y a un truc bizarre avec moi? Mais avec nous-mêmes, il y a un truc bizarre quoi. Elle se dit pas ça. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Oh, Doug. Oh non, back off. Back off. Je sais pas pourquoi j'ai. Doug. On dirait qu'il y a pisse quand on l'entend. Ouais, vraiment, vraiment. C'est la même chose. Ok, donc là, il n'y a plus les bottes. Il n'y a rien qui a été rajouté. Là, il y a l'oiseau. Wesh, gros, ça me fait flipper, gros. Oh. Il y était tout à l'heure? Non, mec. Mais là, il a changé, je te jure. Mais genre... C'est gros, ça fait tellement pas peur. Mais c'est l'effet de surprise en fait. Quelque chose à propos de ce téléviseur me semble très suspect. Non, je sais pas. Ouais, je crois. On l'avait déjà... parle trop mal. On l'avait déjà enlevé. Viens, on le laisse. Vas-y. Et là, elle commence à nous poignarder. Non, madame, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Non, j'ai pas envie d'aller lui parler par contre. Ouais, moi non plus. Et là, juste, on se casse par la gauche, on rentre chez nous. Peut-être que madame maintenant. C'est une opportunité pour moi. Là, fallait que tu le dises, frérot. Merde. comment allez-vous? Terrible, je n'ai pas dormi depuis que vous savez. Vous aurez peut-être dû m'en douter. L'atmosphère à la maison a changé depuis que cette cassette a fait son apparition. Il l'a regardé plusieurs fois par jour, enfermé dans la chambre. Il disait qu'il avait presque réussi, mais il ne me l'a jamais fait regarder. Il ne me l'a jamais montré. Ça, on a déjà fait. Est-ce que vous savez d'où elle vient? Pourquoi avez-vous gardé la cassette? Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai gardé ce truc. J'aurais dû la brûler ou la détruire à coups de marteau. Mais je n'ai pas pu. J'en étais incapable. J'ai l'impression de le voir quand je regarde cette cassette. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que de brasser cette fille seule dans mon salon en train de regarder ce truc. Mais si, oh, ouais, excuse-moi gros jeu. Ah oui, mais là on a déjà fait ça. Moi je veux dire j'ai aucune idée. Ouais, vous dites ça. Non, ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. Je veux dire, ce n'est pas le sujet du reportage. Je ne me souviens pas. Est-ce que votre collègue se comporte toujours comme ça? Je mettrai ma main à couper qu'on s'est déjà rencontré. Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu aussi. On s'est déjà vu, madame. Peut-être que c'était... Attends, ça, ça on l'a... Ouais. Est-ce qu'il serait possible de faire une interview? On va dire ça. Non, non, impossible! Vous êtes venu ici. Moi, je n'ai rien demandé à personne. J'ai le droit de poser mes questions. Vous savez quoi? Je comprends tout à fait. Je comprends l'ambition de gravir les échelons.
La chasse aux fusils sensationnelle. Vous le sentez, vous aussi, non? Rien de bien ne peut sortir de cette cassette, et même de cette histoire. C'est précisément pour cette raison. On avait dit celle-là, donc dis l'autre. Ok. Je suis bien placé pour le savoir. Et dans ce cas, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux tout arrêter? Ça, on avait rien eu de tout ça par contre, je m'en souviens. Ouais. Peut-être que ce serait mieux ainsi. Ouais, vas-y. Eh bien. Je veux pas que cette histoire s'éboule. Je suis on ne peut plus clair. Lâchez votre caméra. Vous êtes sérieuse? Vous pourrez leur raconter que la vieille folle vous a agressé, je m'en fiche. Tenez. Un simple geste et hop, par la fenêtre. Moi je lance la caméra, hein. Vas-y. Retour arrière. Ça c'est une défense, ça veut dire? Je kiffe. Oula. Ah mais ça on l'a déjà vu avec le mec. Avec Walter. Et 124 téléforum. Ah ouais, 806. 806 on dit? Ouais, 806. Là, bah je m'étais trompé, donc là je mets le bon. Mais en fait ça change rien, je crois. Wesh. Mais... Ah ouais. J'étais en train de regarder et d'oublier le nom de ce que j'ai vu. Oui, j'avais oublié qu'il faut lire. Et combien de faux souvenirs me suis-je déjà rappelé? L'appartement. Et elle est toujours dedans. La pétasse. Cette grognasse. Mais c'est con parce qu'on a dit le mauvais. Le mauvais numéro. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bruit bizarre. Allez, moi je veux vite y aller. Faut pas lécher, faut pas laisser, pas lécher. Faut pas laisser le chien tout seul. Non, pas maintenant. Cherchez Bagoff. Cherchez Bagoff. Sur la note, on la connaît. Il est marqué, mais. Allez, Bagoff. S'il te plaît, Bagoff. Te transforme pas en monstre géant. Non, mais c'est une dinguerie comment je suis une tafiole par contre. Il perd là? Non, j'ai fait un petit sursaut. Ok, petit 3-6, ouais. Petit 3-6, ouais. Oh là, je baisse bien ma tête sur mon clavier là, comme ça je vois pas trop. Y'a rien. Mais frérot, on l'a déjà vu, mais imagine comme c'est un autre, il y aura vraiment un vrai screamer. En fait, c'est ça qui me hante. C'est imagine, il y a des screamers, alors que je sais très bien qu'il n'y en a pas. Éteignez ça. On l'a déjà vu celui-là, non?
si vous regardez ceci, j'ai peur qu'il ne soit déjà trop tard. Leurs objectifs sont devenus nos yeux. Tout ce que nous voyons, je comprends l'enthousiasme, chercher à en savoir plus, à en apprendre davantage. Mais vous saviez ce qui m'est arrivé quand j'ai fait de même. Pourquoi s'engager dans cette voie? Enfin, peu importe. Vous connaissez la vérité, téléspectateurs. Et elle a un prix. Mais inutile de le payer entièrement. Inutile de se soumettre à tout ça. Écoutez. Ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Pas encore. Coupez la vidéo. Parlez. Partez et ne revenez pas. Vous leur glisserez entre les doigts la plus belle des rébellions. Partez. Ne revenez pas. Ok. Galerie, on a quoi maintenant? On a déverrouillé ça et ça. Ça, c'est quand la caméra est saute et ça, Ah, elle est c'est... bloquée deux. Il y en a trois autres. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, on n'a pas fait toutes les fins qui étaient possibles, ni découvert toutes les possibilités. Mais je pense qu'on a quand même découvert le plus important. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!